Eh bien, bonjour tout le monde, c'est LuluS57, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Donc aujourd'hui, petite nouvelle vidéo sur... Oui, je sais que ça fait longtemps, le mec, voilà quoi, hein. Le mec, il fait son petit intro tranquille après de nombreuses années. Mais coucou, je suis là, je suis de retour. On va dire un peu plus équipé, hein. Et puis, on va voir ce que nous réservera la suite. Bon allez, on va se lancer un petit casse. Donc on est sur Payday 3, la bêta bien sûr. On va tester ça, hein. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu essayé, hein. Bon, ok, c'est une petite vidéo pour vous faire partager tout ça. Et pour vous aussi vous donner mes impressions et tout ça, hein. Parce que vous savez que j'ai déjà joué au 2 et tout ça. Enfin... Bah le 1, je sais même pas s'il existe, mais au 2 en tout cas, bah j'y ai joué d'ailleurs. Normal, hein, bien sûr. This is a small branch bank, usually low traffic. But there's been a mix-up in the money transport schedule, meaning there's a lot more cash than usual in the vault. Decide how you want to do this. Beat the security gate and quietly gain access to the vault, or go in guns blazing and burn your way through the roof. It's your call. Mais laissez tomber quoi. Je n'ai pas la connexion malheureusement. Mais enfin c'est trop chiant. J'ai pas la connexion, je peux rien faire, c'est... Enfin, c'est chiant, quand on a pas la fibre... C'est mort quand on a pas la fibre, les gars, c'est mort. On va mettre prêt, bien évidemment. Là aussi, c'est stylé, ça, ce petit menu, là, où on est tous là, comme ça. Charlie, s'il te plaît, mon ami, tu pourrais m'être prêt, s'il te plaît, mon ami. On aimerait, les gens aimeraient bien voir le jeu, à quoi il ressemble. Bon, même si je pense qu'ils ont déjà vu des gameplays mieux que ça, mais c'est pas grave. On aimerait jouer, mon petit Charlie. Après, il y en a qui disent on n'est pas très Charlie, mais bon. Ça aussi c'est stylé ça par contre. Vous avez vu, il y a l'heure et l'endroit où on est. Ça, par contre ils ont fait un progrès là-dessus. C'est beau, très beau même. Ça, c'est vrai que ça change. Vous entendez sur les buffleurs. Le mec qui fait son marketing en vidéo. Bonjour. Hi, it's me. D'accord. Ah, it's me. Oh, il m'a répondu. Bonjour madame. Vous en faites pas, hein. On va juste faire un petit braquage, mais vous en faites pas. Hein. C'est rien. Oh, c'est peut-être un code secret. Hein. On sait jamais. Hein. Bon, je vais pas faire le mec qui découvre, alors que je découvre pas du tout en fait. Je connais. Mais c'est vrai que le truc. Je sais pas si vous vous en rappelez, dans Payday 2, le braquage de la banque, on pouvait le faire en mode discret. Et là, pour faire en mode discret là-dessus, ce qui est possible, bien sûr, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous faites là? Freeze, right there! If you move, I'll open fire! Oh le con, ouais. Ah, ça commence à gêner. Bonjour, c'est la police. Alors une petite particularité sur ce jeu, excusez-moi, regardez-moi ce coffre. Ça c'est stylé à mort. C'est stylé à donf. Hop. Voilà. Alright, you tossers, listen up.
T'as moi au début quand j'ai fait ça, je pensais que c'était comme dans GTA où il fallait écouter et tout. Enfin, je sais pas, je sais d'ailleurs. There's a safe deposit box belonging to a Wixia executive here in this bank. If you pass an office, try to find which box is his. Mais bon, vous avez récupéré. Vous avez récupéré la pâte thermique. Vous avez récupéré la thermique. Évidemment, vous en doutez que c'est une bêta, que le jeu, enfin voilà, c'est une bêta, donc forcément un test pour savoir comment c'est. Mais après, franchement, je trouve qu'il y a un petit truc quand même, et que vraiment, ils se sont améliorés au niveau pour allumer le feu, pardon. Ils ont amélioré pour le bruit des armes et tout ça. Rien à dire en fait. Bon, espérons juste qu'il y aura plus de choses. Franchement, ça manque vraiment de trucs. The water from the sprinklers is affecting the thermite. Turn them off. We don't have time for slow cooking. Ah, d'accord, super. Putain, y'a une action en bas ou quoi? Thank you. Ah non, c'est bon, je sais, il a glissé, chef. Voilà, ça peut être ça, t'as glissé, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas réaliste, par contre. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Voilà. Ça m'a bien, c'est dégueu, quand même. En fait, la barre là. La barre en dessous de mon inventaire, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Donc, s'il y en a qui pensent savoir ce que c'est, n'hésitez pas à le dire. More cops on the way. They're in 30 seconds. Ah, c'est les chargeurs. Les chargeurs. Sniper's down! Hostage rescue units are on site. That must be bad. Cops are sending in the sabotage squad. Ammo here if anybody needs it. Thank you.
c'est stylé à mort. Chaque fois et je me suis fait avoir par ça là. Je crois que c'était un truc à récupérer ou quoi, tu sais, comme dans ton vidéo, mais pas du tout en fait. Salaud. Fuck it, go for headshots. J'ai dit que t'allais mouler. C'est quoi ça? C'est d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Oh là 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 là. Oh. Oh, ça c'est bien fait ça. Vamonos, muchachos! The getaway van's gonna be there soon. Get to the main road. Mais arrêtez de fermer la porte. Oh là là. Find a way to get rid of them so the van can get in. Vous voyez la barre dont je vous ai parlé avant là, on s'est bien monté à la semaine en rouge, mais je sais pas. Ah si, je crois savoir pourquoi. En fait. Vous allez comprendre, dans pas longtemps si j'arrive à voir. I smell bacon. Fuck! Voilà. Bon, bah, je crois qu'on va finir la vidéo en détention. Ah non. Ouais, mais c'est compliqué, Ah.
Bon, bah malheureusement, j'ai pas pu montrer. They've got the bollards up again. Get them down or we're fish in a fucking barrel. Vite, ils sont. Voilà. The bollards are gone. Get a move on. J'arrive. Just picked up a transmission. The cops are about to launch a final assault. Voilà, on peut y aller, les copains. Voilà. Vous avez vu quand même. C'est... Ouais, hein. Bon, on va passer au BU. Puis après cette petite partie, je vais vous dire mon petit débriefing. Donc, bah écoutez, pour ma part, je pense... Enfin non, je pense pas. Il y a du potentiel. Franchement, il y a du potentiel. Parce que déjà, rien que la bêta, ça nous montre déjà pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses. Enfin, pas trop. Mais on peut déjà voir les mécanismes du jeu, les graphismes, les bruits des armes et tout ça. Ça, c'est vachement cool. Et également ce qu'on peut faire dans le jeu. Donc, c'est franchement, c'est vachement cool. Donc après, bon, il y a tout ça. Il y a l'arsenal, t'as tout ça quoi. Et bon, ce qui est dommage, c'est que pour la bêta, c'est qu'il n'y a pas grand. Ben voilà, il n'y a que ça quoi. C'est pas grand chose, on va dire. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, au moins, ils nous ont montré quelques trucs, hein, franchement. Bon, par contre, le prix du masque, hein, toujours si cher, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, en même temps avec l'argent qu'on se fait, c'est déjà pas mal hein. Mais voilà quoi, c'est pour ma part, je pense que à voir à la sortie, parce que déjà à la sortie là, étant donné que ce que je rappelle également encore une fois, bon je sais vous allez dire Lulu tu nous casses les couilles que c'est que tu nous rappelles que c'est une bêta, mais bon ça va, à la sortie ça va, ils vont corriger les bugs, enfin j'espère, parce que je sais que dans Payday 2 il y avait déjà de sacrés bugs hein, avec les armes et tout ça, donc là à mon avis je pense que ça va être corrigé, mais d'un côté le fait que le corps des flics et tout ça, ça valse comme ça, je trouve que ça rajoute un côté fun dans le jeu. Et ça, on va pas se le cacher. Bon après, il y a tellement de choses à dire. Enfin, ça change déjà du 3. Déjà rien que les menus, ça change. Bon, dommage qu'ils n'ont pas fait une planque comme dans le 2. Après avoir à la sortie du jeu. Peut-être attendre de voir les mises à jour qu'il va y avoir et peut-être qu'au fur et à mesure ils vont rajouter des trucs, hein. Ça on ne le sait pas. Et bon, après pour ma part, non, franchement j'approuve. Déjà le 2 j'ai bien kiffé, donc je pense que le 3 il risque d'être pas mal. Et franchement, il faut pas une si grosse config pour le faire tourner en aussi bonne qualité. Là-dessus, il n'y a pas à dire, il n'est pas trop gourmand, donc ça va. Et on va pas se le cacher, mais contrairement au 2, il est déjà beaucoup plus beau. Bon après le 2, je dis pas, il était déjà beau comme ça. Hein. Enfin, après pour un jeu de 2012, je parle du 2 bien sûr. Hein. Bon, en 2012, on n'avait pas trop des graphismes de ouf hein, à l'époque. Hein. Mais bon, quand on voit l'évolution du matos et tout ça, bon là déjà on voit déjà. Attendez, bon parce que là je suis avec la manette, mais là si je suis avec la souris, là... C'est stylé à mort mon copain.
Bon bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser tout le monde. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à bombarder un maximum de likes et de commentaires. N'hésitez pas à partager sur tout abonné, ça fera super plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde.